Camélia Jordana vient de chanter Silence, silence, ta bêtise est grande à croire que c'est une fan de l'émission et que c'est en nous écoutant qu'elle a eu l'inspiration pour cette chanson. Silence, silence, ta bêtise est grande. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, à 10h20. Merci d'être avec nous sur RTL sur un cas que nous avons traité hier avec une personne dont le doux prénom est Charlotte. Laura. Qui est avec nous. Laura, vous m'entendez? Oui, 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 je suis là. Ah non, je croyais que vous vouliez revenir sur l'appart hôtel. Alors Charlotte, il va falloir qu'on se mette d'accord. Ce petit numéro que nous faisons depuis tout à l'heure me déplaît un petit peu. Je vous demande de quel cas s'agit-il. Vous me mouchez en direct en me disant non, on fera pas celui-là, espèce de grand couillon, c'est un autre. Et au moment où je lance le cas que vous m'avez proposé, vous m'en faites un autre. Donc on va revenir sur les appart hôtels. Oui, c'est Patricia. Si je peux remettre la faute sur quelqu'un, je dois dire que c'est de la faute d'Alain Hazard. Voilà. Alors, Alain Hazard, dont on rappelle, alors, c'est le rédacteur en chef qui nous dicte que, vous savez, c'est lui qui est un petit peu le chef d'orchestre, mais voici donc à 10h21 une alerte à Alain Hazard. Et vous allez pouvoir comprendre maintenant pourquoi il y a quelques désagréments dans l'émission. C'est l'heure de l'apéro. Et c'est de là-bas qu'il nous dit, avec un petit téléphone, ce qu'il faut faire ou pas. Non. Pour une fois, Julien, je suis vraiment à jeun. Et il était prévu qu'on fasse le retour de Patricia qui est passé hier. Pour une fois, je suis vraiment. Pour une fois, je suis vraiment à jeun. Merci, Julien. En tout cas, merci. Je vous en prie. C'était, mesdames et messieurs, le cas de François Mouchet. Voilà, écoutez, bonne façon, quand on peut rire un peu, il ne faut pas s'en priver. J'aime bien parce que François, il est un peu dépité, mais d'un autre côté, ici, laissons-le faire. Écoutez, de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Il est comme ça. Mais j'aurai un trottoir neuf, donc qu'il me fasse éternuer avec Mouchet, il n'y aura pas de souci. Entre-temps, vous avez été rappelé. Mélanie, est-ce que vous avez du nouveau à nous donner à nos téléspectateurs d'M6? Julien, c'est moi en fait. Pour l'instant. Oui. Attendez, Mélanie, on va vous en donner si vous n'en avez pas. Je viens de gâcher une Julien. Surprise. Allez-y, Charlotte. Oui. Ne m'invitez pas pour un anniversaire ou pour faire des surprises parce que je gâche tout. Allez-y, Charlotte. Oui, hier après-midi, nous avons été recontactés. Pas de cadeau, on ne vous demande rien. C'est notre job de vous aider. Mais comme vous êtes venu avec, je vais demander à Hassen de rentrer sur le plateau parce que c'est pour vous, l'équipe depuis la salle des appels. Bernard, Céline, JB, Charlotte, vous qui avez bossé, Hervé Pouchard. Voilà, une petite boîte de chocolat qui nous a... Bah, allez-y, je vous en prie, prenez le premier. J'en prends pas, merci beaucoup. Ils sont si mauvais que ça. Elle m'offre des chocolats. Je lui dis, prenez un chocolat. Elle me dit, ah non, malheureux, pas cela, vous plaisantez ou quoi. On a même pas mangé les dents noires. Tenez, Charlotte, merci beaucoup. On vous fait un gros bisou à toutes les deux. Par rapport à ce que vous avez fait pour moi, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans un... Voilà. Bon, la vie va changer maintenant. C'est une belle année qui démarre, mais c'est une très belle année grâce à vous. Dites-moi, Hassen, on ne vous a pas demandé de faire le serveur non plus. Lui, il a pris son rôle très au sérieux. Il tient le, pour ceux qui nous écoutent sur RTL, il tient le plateau, vous savez, comme un serveur de restaurant. Il est en train de passer table en table avec un carnet, un stylo, il prend les commandes. Et avec ça, qu'est-ce qu'on boit? On va juste résumer très rapidement ce qui est arrivé à Dominique, qui n'est pas forcément là avec nous, mais nous nous sommes aperçus dans cette enquête qu'il y a d'autres victimes. Qu'est-ce qui était arrivé à Véronique, à Dominique? Eh bien, en fait, il avait vu une petite annonce, effectivement. C'était une femme, mais peut-être que depuis, c'est devenu un homme. Elle avait vu une petite annonce. Mais, on n'a pas de nouvelles des auditeurs. Ils peuvent très bien partir se faire une petite opération et revenir après. Alors allez-y. Quand vous montez dans un faux taxi, s'il arrive une catastrophe, un énorme accident qui peut-être vous paralyse ou quoi, après au niveau assurance, c'est la cata, Maître Moser. Ah oui, c'est la cata. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. Il n'y a pas très longtemps, garde-la. Arrêtez de dire ce que vous dites est vrai ou ce que vous dites est... On a l'impression que c'est exceptionnel. Non, vous savez mais non. C'est-à-dire que pour rebondir... C'était deux fois déjà ce matin. Je suis désolée, je vais vraiment m'améliorer, promis. Ça y est, c'est réglé pour vous. Alors, ça ne vous remplacera pas cet anniversaire que vous allez peut-être refêter, mais au moins, pour fêter cette bonne nouvelle, faisons comme si c'était votre anniversaire. Nous sommes des gens branchés, vous l'avez noté. Les plus grands DJ du monde de l'électro écoutent cette émission. Et c'est dans cette émission qu'on apprend quelles sont les nouvelles tendances musicales. Bon, attention, il est quasiment 11h. C'est l'heure de l'apéro. C'était une alerte, Alain Hazard, rédacteur en chef. Il est maintenant 11h. Vous le savez, nous transformons dans cette émission le bonheur en malheur. Non, plutôt le malheur en bonheur. C'est un peu les deux, des fois. Hein.
Sylvain Baron, vous êtes ingénieur, je le rappelle. Vous apparaissez sur l'écran, mais on m'annonce que la bande passante du réseau de Sylvain Baron est faible parce que vous ne payez pas, rappelons-le. Pardon, il y a une alerte, que se passe-t-il? Une alerte, me dit-on, du côté de la salle des appels? Je vois un dernier moment. Non, de l'autre côté, c'est très calme. Ah bon, Julien, comme d'habitude, on a vu passer le bandeau alerte, mais je pense qu'on s'amuse en régie avec les boutons. Et puis, tiens, à quoi il sert celui-là? Tiens, c'est le bouton là. Et celui-là, tiens. Alors, JB, c'est à vous. Alors, nous allons partir à l'aéroport de Roissy cette fois-ci pour parler d'un chauffeur de taxi qui fait payer ses courses, mais à un prix exorbitant, Julien. Très bien, merci. Très belle arnaque de JB qui a... Je voulais passer la main à Céline. Oui, je sais bien, mais j'ai fait exprès pour vous taquiner. Vous imaginez, chaque jour il fait ça. Quelle est l'arnaque aujourd'hui? Un homme prend de l'argent à des commerçants. Merci JB. Alors Céline, oui. Alors oui, ça avance un petit peu. Je suis sur le dossier de Mélodie avec son logement social et je suis en ligne avec une dame qui prend toutes les informations auprès de Habitat 77. Passez-moi quelques instants déjà, oui, si vous le pouvez. Alors attendez, je vous la branche. Merci beaucoup. Et je vous la passe. Alors voilà, ça c'est le système D parce qu'on a l'énorme appareil avec une technologie, mais celui-là, je tiens à vous le dire, on ne sait pas le faire marcher. Alors du coup, on prend un câble et on le met dans l'iPhone et on n'a aucun problème. Merci à vous tous, merci à toutes les équipes. Stop.